Merveilleux, garçon. Voilà. Je vous prends bien. Le 41e salon des arts ménagers à Palexpo et deuxième visite de Canal 29 sur ce lieu. Nous allons voir ce que les exposants vous proposent, les nouveautés, les choses intéressantes. Et qui sait, par ce parcours image de notre caméra, découvrir de bonnes idées pour les cadeaux de fin d'année. Présentez un petit peu. Depuis combien de temps est-ce que vous existez? Comment est-ce que vous existez? Comment est-ce que vous avez débuté, etc. Alors le château suisse, en fait, le château qui est à la base de la création du musée suisse, il devait être vendu à l'origine. La tour de Pepe, la commune de la tour de Pepe va le vendre, et il a été plus ou moins sauvé par un projet politique, donc des libéraux qui l'ont mis en place sur place et qui ont sauvé le musée. Après, bon, il y a eu la dissertation de savoir ce qu'on allait en faire. Et je crois que c'est toujours dû au milieu politique, ils ont eu l'idée de faire un musée suisse du jeu. Alors il a été créé en 87, je crois qu'il a son deuxième ou troisième conservateur à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut dire comment le fonctionnement même du musée? Alors, primo, pour les achats des jeux, donc ça fonctionne, soit on achète, soit on reçoit des dons. Donc à la base, il y avait une collection qui a été donnée, qui a permis de créer ce musée. Et maintenant, il y a un rachat constant, plus ou moins, de jeux, ou alors de dons de personnes qui ont ces vieux jeux, qui ne savent plus quoi en faire, ou ils ont des pièces manquantes, et ça finit au musée. Quelle est votre pièce la plus ancienne? La pièce la plus ancienne, c'est une pièce romaine, un jeu probablement à Avenches qui actuellement est... Je ne sais pas s'il est prêté, mais c'est en tout cas pour le moment la pièce la plus ancienne exposée. C'est une pièce qui a été déterrée par les archéologues travaillant à Avenches, donc. Et c'est un jeu romain, il doit dater 5, mettons 4e siècle avant Christ. C'était un jeu pour enfants ou pour adultes? Aucune idée. On ne sait même pas comment se joue ce jeu, en fait. On essaye de le déduire. On peut dire également qu'il y a 2 ou 3 petits jeux qui ont été trouvés chez des Égyptiens. Mais là, c'est de la conjoncture. On pense que c'est des jeux. Ils seraient vieux, 1000 ans, mais on ne sait pas si c'est des jeux, en fait. On n'en est pas sûr. On pense que ça l'est, mais rien de plus, en fait. Nous allons visiter un petit peu le stand.
Voulez-vous nous dire quelles sont vos heures d'ouverture, de fermeture, les jours? Il est ouvert tous les jours de 14h à 18h. Donc on peut dire les adultes payent, il est payant. On fonctionne quand même en partie grâce aux gens qui viennent chez nous. Les enfants de moins de 16 ans, c'est gratuit.
couteau, les gapins. Circulaire. Nous sommes ici devant le stand Viet Art. C'est un stand qui s'occupe d'importation d'artisanat vietnamien. Madame, voudriez-vous nous donner quelques petites explications? Oui, tout à fait. Nous importons des laques avec deux méthodes de fabrication, avec incrustation de nacre, ce qui est le plus courant en général. Et au Vietnam, ils ont une particularité, c'est qu'ils font les incrustations en coquilles d'œufs. Et ces coquilles d'œufs sont passées sur le tableau qui est déjà laqué une première fois avec la laque et aussi un autre sucre qu'on mélange avec, ce qui fait le support. Ensuite, on pose encore deux couches de laque et après, on fait toutes les incrustations. Ensuite, ils posent encore 15 couches de laque pour finir un tableau pour qu'il soit bien fixé et qu'il ne bouge plus. Un tableau comme celui-ci demande environ combien d'heures de travail? Chaque pièce demande en général 3 mois de travail. Et c'est en général des villages qui font ça. Chacun a son travail bien précis, du maître qui fait sa pièce jusqu'au polisseur qui polie entre chaque couche de laque. Il faut attendre 3-4 jours et polir avec une cendre de bois de serre.
Donc pour un seul panneau, il y a plusieurs artisans qui mettent la main à la pâte. Oui. Tout un village s'y met et ils ont chacun leur travail. Le procédé pour ce magnifique paravent que nous avons là? Le procédé est le même que pour n'importe quelle autre pièce. Vous avez aussi une base qui doit être mise pour faire fixer le bois. C'est un bois qui est contreplaqué, donc il ne bouge pas. C'est pas comme une planche qui peut bomber et se transformer. Et après, c'est les couches successives, comme on place le dessin, la nacre, et après on laque de 15 couches pour être sûr que ça ne bouge plus. Une laque de bonne qualité doit avoir au minimum 15 couches si vous voulez qu'elle ne se transforme pas dans les changements de climat si on les amène ici en Europe. À cause des différences de chaleur? À cause de la différence de chaleur, de... Oui. Et là, le procédé est le même, donc tout le village se donne la main pour donner une pièce. Tout à fait. Merci.
actuellement sur le stand informatique de la Placette au Palexpo et nous allons essayer de voir un petit peu si l'informatique dans la situation économique d'aujourd'hui est un objet de luxe ou bien rentre petit à petit dans les mœurs. Alors j'ai à côté de moi l'un des vendeurs qui est sur le stand de la Placette. Je dirais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui on parle un petit peu de marasme économique, de difficultés, les problèmes du chômage. Alors l'ordinateur, l'informatique, est-ce que c'est quelque chose qui est touché actuellement par ce sentiment ou eh bien ça continue à se vendre sans trop de problèmes? Écoutez, je crois qu'on peut tout à fait ressentir le phénomène de récession. Là, je crois que dans l'ensemble de la clientèle, on ressent ce sentiment, cette attitude-là. Néanmoins, l'informatique prend de jour en jour chaque fois plus d'importance. Par conséquent, on ne peut pas vraiment parler d'un recul net des ventes. La situation s'est maintenue, voire elle a progressé légèrement, mais elle a quand même progressé. D'accord. De jour en jour, les besoins sont de plus en plus importants, on la retrouve dans tous les domaines. Dans les clients aujourd'hui qui viennent vous voir dans l'intention d'acheter une machine, est-ce que c'est une machine qui à la maison va leur servir, je dirais, à se distraire, à jouer, ou bien est-ce que ce sera quand même un outil d'utilisation complémentaire aux professionnels ou vraiment utilitaire dans le domaine familial? Disons que les besoins sont très nombreux. Il y a effectivement donc justement ces deux types de clientèle. Donc la clientèle qui va l'utiliser en tant que complément professionnel, qui va pouvoir maintenir ses connaissances, voire les approfondir. Et là, donc ça, c'est un, si vous voulez, un besoin qui est constant. Et par conséquent, en fait, il y a le deuxième type de clientèle qui s'est également énormément développé grâce à des supports comme le CD-ROM. Les jeux se sont améliorés, la qualité du graphisme, on a vu apparaître des didacticiels de grande qualité qui permettent également aux enfants, aux adolescents de se familiariser avec l'ordinateur, de progresser dans ce domaine-là. Ce qui en fait une vocation familiale, ça dépasse largement le cadre personnel, c'est-à-dire d'un seul utilisateur en famille. Actuellement, avec le nombre d'annonces que l'on voit dans les journaux, le nombre de revues spécialisées qui sont consacrées à l'informatique, je dirais le simple béotien, le consommateur de tous les jours, doit se poser la question quelque part, mais si j'avais envie d'acheter une machine, quelle devra être sa configuration, sa forme? Alors aujourd'hui, avec les prix, l'arrivée des fêtes en fin d'année, l'idée du cadeau, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un acheteur potentiel pour l'acquisition d'une machine? Disons qu'actuellement, le processeur le plus recommandé est tout de même le 486, qui est un processeur qui a donc encore de longues années devant lui, qui ne sera pas démodé. Disons que déjà le 486 SX est un processeur qui est même très rapide pour une utilisation domestique, pour une utilisation standard en traitement de texte, avec des didacticiels, avec des jeux, ou voire même avec un tableur, qui ne posera aucun problème. Ensuite, il y a la gamme des 486, donc les convertisseurs 486DX qui s'échelonnent entre 33 MHz et 66 MHz, qui sont déjà des machines, je dirais même extrêmement puissantes, et qui ont donc une durée de vie, qui auront Ils ne seront pas démodés du jour au lendemain, en fait. Absolument, absolument. Donc là, il y a encore de longues années, le 486 a encore de belles années devant lui. Le Pentium, beaucoup en parlent, mais on est déjà inquiet de voir le prix quand même. Le Pentium est à venir, le coût est encore à envisager, on a encore des doutes là-dessus. Il sera très très performant, par conséquent pour des utilisateurs, je dirais privés, il faut déjà en voir l'utilisation à long terme avec des applications puissantes et lourdes. Par conséquent, le 486 s'applique très 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 bien actuellement. Si on devait donner une fourchette de prix à peu près pour les PC d'entrée de gamme avec le processeur que vous venez de décrire, ce serait à peu près dans quel montant? Le modèle d'entrée de gamme est un 486 SX à 25 MHz. Qui fait 1990, donc là vous avez déjà une machine qui vous permet de faire tourner tout type de logiciel. Là il n'y a aucun problème, vous avez 4 mégas de RAM, donc non, il a toutes les possibilités qu'un utilisateur est en droit d'exiger actuellement, et la puissance requise. Bien, je vous remercie, et puis j'espère que nous vous aurons donné peut-être quelques idées pour les achats de fin d'année. Nous, pour notre part, nous allons faire quelques images de ces belles machines, de quoi rêver.
achat ici, Maria Martia, pour l'achat. Alors, si j'achète quelque chose, c'est du nouveau. Vas-y, tout ce qu'il faut. Laisse faire, vous faites le mélange que vous voulez, allez-y. Au choix. Non, ben, ça va pas, j'en achète deux ou trois pour les gars. Maintenant, vous donnez les prix. Alors sachez qu'avec votre achat, pas noté numéro. Le nom, les prix et l'adresse de la maison. On est à Mérin, à 5 minutes d'ici de la foire, c'est pas très bon ici. Et ça fait 14 ans qu'on est ici. On fait gagner un de 195 recettes. Conseil d'entretien, mode d'emploi, les tentures pour les viandes, les poissons et les légumes. Voici l'hôtel des Bergues construit en 1834. L'hôtel Métropole construit en 1865 se réunissent dans une brasserie du quartier des Papis, la société genevoise des hôteliers, dans une célèbre brasserie genevoise. Projet de la construction d'un pavillon suisse pour Expo, édifié le 5 octobre 1895, sur la rue pouvoir mettre les prix des chambres et des repas en relation commerciale avec les charges fixes. 1950 voit la création de l'école hôtelière de Vieux-Bois à Genève. Cent ans d'existence et continuer encore longtemps à jouer un rôle important dans notre cité. Genève et son hôtel. En 58, avant personnalité, ont séjourné dans nos hôtels. Walt Disney, Edith. 11 ans plus tard, quelques hôteliers de l'époque, soucieux de donner une image accueillante de leur ville, se réunissent dans une brasserie. Président de l'association des syndicats qui est là, et puis je vais, le mieux c'est que je laisse le micro. C'est une droite des bêtises. Une fois. Voilà. Alors les personnes qui sont à la cuisine, qui sont en train de regarder les petits plats. Nous sommes ici au domaine des Perrières de Pessy. Et je voulais demander à ce monsieur quels étaient les problèmes qui ont résulté suite aux diverses pluies juste avant les récoltes. Alors, je dois malheureusement vous répondre que cette année, c'est une année un petit peu difficile au niveau de la météo. Donc, pour faire un bon vin, il faut du soleil. Et puis, spécialement à l'époque de la vendange, là, on n'a pas eu tellement de chance cette année. Donc, il y a eu passablement de pluie. Donc, quand il y a beaucoup de pluie, le raisin grossit. Et si le raisin grossit, ça diminue un petit peu la qualité du vin. Mais on a quand même très confiance. On a essayé de travailler le mieux possible. On a essayé d'éliminer donc les grappes où il y avait un peu un phénomène de pourriture sur la fin de la vendange. On a essayé de trier le mieux possible. Et je crois que ce serait une année plus difficile, mais on a quand même très confiance. On va se donner de la peine pour élaborer ce vin le mieux possible pour arriver à sortir une bonne qualité. Les vins de Pessy sont généralement réputés. Donc vous pensez réussir à faire une année
convenable ou plus que convenable? Alors il faut parler le vrai langage, donc c'est une année qui sera moins bonne que le millésime 92, ce que je vous ai fait déguster tout à l'heure. Mais donc spécialement donc, dans les gamets on aura moins de problèmes, et dans les chasselas, je pense que ce sera un vin qui sera moins long, mais avec une, disons avec des techniques modernes, on arrivera quand même à sortir le vin le meilleur possible. Et je pense que le problème, il n'est pas seulement qu'à Pessy, il est dans tout le vignoble genevois. On est bien d'accord. Et ce fait, c'est que les bons vignerons arriveront à sortir un meilleur vin que ceux qui travaillent moins bien. C'est au niveau de l'œnologie qu'il y aura une différence. Dans le temps, on parlait de chimistes. On n'est pas des chimistes. Maintenant, il y a des jeunes qui font de la technique pour élaborer des vins. Et là, je crois que... Je suis content de voir le progrès qui existe dans notre canton de Genève. Il y a des jeunes qui mettent les mains à la pâte et puis qui ont fait des écoles, qui ont bien suivi et qui arrivent à sortir avec une qualité peut-être un peu moins bon au niveau de la récolte, mais qui arrivent à sortir un produit tout à fait normal en respectant les normes, sans tricher. Et ça, c'est heureusement qu'on a une jeunesse derrière nous qui élabore de mieux en mieux notre vin. Voilà. Donc la jeunesse, même à ce niveau, réussit à suivre et à se former correctement? Certainement, j'ai fait pas mal de voyages d'études dans le vin et je pense que certains endroits, les gens travaillent comme il y a 30 ans auparavant et ils croient qu'ils font le meilleur vin, et maintenant, il faut un petit peu vivre avec son temps. Et je pense qu'en arrivant avec les meilleures techniques, disons à une qualité égale de vendange, de récolte, on arrive à sortir un meilleur vin, comme je vous dis, tout en restant honnête, parce qu'il y aura toujours des gens malhonnêtes qui tricheront, qui feront des mélanges. Mais même en étant honnête, on a maintenant des moyens, disons, de sortir vraiment des bons vins. Et j'espère que tout le monde sera content de goûter le vin de Pessy l'année prochaine, de toute notre région. Au niveau de la récolte, apparemment, la pluie n'aurait pas posé trop de problèmes, quantitativement. Disons que la pluie, donc le raisin, c'est un diamètre, et puis les derniers jours avant la récolte, s'il pleut beaucoup, le raisin prend une augmentation énorme de volume. Et ce volume, c'est de l'eau. Et l'eau n'est pas bénéfique dans tout ce que le fruit a amené pendant tout le long de l'année. Et je pense que ça sera pas le meilleur millésime, spécialement dans les chasses. Mais bien d'accord. Mais on fera le maximum pour donner à nos amis clients et consommateurs le meilleur vin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, grâce à l'effort technique de la vigne. Monsieur Maxime Le Forestier, superbe chanson. Très difficile, mais sympa. Tout à fait sympa. More than
sell of l'oseille. And all as tears subside, I found it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things, the truth feels, and not a word of what lives. The record shows I took the blows, and it is my way. Je vous l'avais dit, vous l'applaudissez. Ouais, très fort, hein. Plus fort, s'il vous plaît. Merci. Il est indonésien, il chante merveilleusement bien.